Et l'autre couple, le dernier couple français, le troisième, le voici, c'est Pernell Caron et Mathieu Jost. Qui vont patiner également une danse originale qui sonne très juste sur Basin Sweet Blues de Louis Armstrong. Encore un grand classique. Et un montage extrêmement bien réalisé là aussi. Les Français étaient 9e après la danse imposée. Ah, mais oui, Pernell, c'est du cycle. C'est du swing, ça. Basin Street Blues. Avec la trompette et la voix de Louis Armstrong. La batterie en roulement sur le final. Et là, c'est là, nous l'avions déjà dit, on va se répéter, qu'importe, on se rend compte de la différence des programmes lorsqu'ils sont montés sur une seule musique, et notamment lorsque c'est vraiment du jazz. Et avec Basin Street Blues de Louis Armstrong, il y a du jazz. Avec Black and Blue, on a du jazz. That Means Nothing, il y a du jazz. Je veux dire, bon, c'est pas comme ça des musiques vaguement jazzy. C'est vraiment les racines même du jazz. On sent, c'est le swing. Le swing qui prime. Romain et Muriel, un petit déséquilibre ici de la part de Pernell, qui naturellement, quels que soient les progrès effectués, n'a pas l'aisance de son partenaire, qui lui n'a pas besoin d'accélérer son patinage, qui est naturellement dans le rythme et qui presque fait ça avec une sorte de placidité. Regardez comme il est tranquille sur cette série de contre-rocking enchaînée, Twizzle.
Oui, lui, il est vraiment, pour le coup, dans l'esprit du jazz. Ah, comme mais ça, il est facile, il est facile, ouais, il est très facile, Mathieu. C'est un très, très grand danseur. Donc, nous vous les présentons, vous les connaissez, mais à gauche, Romain, l'assistant dévoué et extrêmement compétent de Muriel, qui, elle, est à droite et qui a formé de nombreux couples, dont le dernier en date n'est autre, évidemment, qu'Isabelle et Olivier, après avoir formé et amené au titre olympique Marina Anissina et Gwendal Pezra. Gwendal Pezra, celui qui nous regarde peut-être. Peut-être, dans peut-être. Dans sa belle maison. À moins qu'il ait quelque chose d'autre à faire. Non, dire, bon, la danse, c'est bien, mais dans la vie, il n'y a pas que la danse sur glace. Oui, bien sûr. 57-68, certainement donc sur cette danse, ils seront juste derrière notre couple français, Bernal et Mathieu.